Oh la vache! Tu vas vite, monsieur! Putain, laisse-moi tranquille! Je veux jouer aux jeux vidéo, bordel! Allez. Connie, hop, faudrait qu'on trouve des crochets très vite avec elle. Hop. Alors, crochet. C'est avec la prochaine match qu'ils vont retirer l'obligation de jouer Booba. Oui, normalement, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont dit qu'ils ne modifieraient pas les maps s'il n'y a pas de Booba dans la partie. Ce qui est bien, je trouve que ça donne une punition au tueur en fait. Hein. Si vous ne prenez pas Booba, bah ok, mais. Mais vous allez galérer dans les infinites loops. Ah, Connie, quand tu mets tous ces points sur sa furtivité et tout, c'est. C'est pas la furtivité d'ailleurs, je raconte des conneries. Putain, Kenny, y'a pas de crochet là-dedans. Bordel, on va ouvrir ça encore. Voilà. Je dis qu'il faut que je trouve des crochets rapidement, j'en trouve aucun. Mais. Y'a que lui qui peut couper les palettes, c'est ça? Yep, effectivement. Pas de crochet? Putain, la blague! Ils ont fui la cave par où? J'ai pas de crochet, moi! Par là. Putain, c'est moi, Connie. Et j'ai pas de crochet. Là. Merde. Là, il y a des crochets. Ah non! Ah putain! Putain, non! Au secours! Il va me faire chier longtemps, lui! Oh la vache! Tu vas vite, monsieur! Putain, laisse-moi tranquille! Je veux jouer aux jeux vidéo, bordel! Ah, maintenant, il y a des crochets, mais j'aimerais bien trouver du soin. Du soin maintenant et sortons de cette fucking cave. Crochet encore, mais je m'en fous. Oh, les mouvements de caméra, mon dieu. Putain, je sais plus par où aller. Y a du soin là? Non. Eh ben, au secours! Là.
Tiens, ok. Quoi? C'est où? C'est où? What? Où est la cave? La sortie de la cave? Oh putain, il y a Johnny là. Je connais pas la map. Ah là là. Bon. Cette game ne ressemble à rien. Ils sont tous barrés, sauf moi. Je suis encore bloqué dans la cave. Putain. Je suis complètement perdu. Coucou Galou. Ça va bien? Je suis complètement perdu. Je sais même plus où sont les portes. C'est une catastrophe. Putain, c'est une blague. Ah, la porte est fermée, sans déconner. On va monter par là, hein, tant pis. Hein. La game balade. Ouais, mais t'as vu, les autres sont sortis. Ouais, et moi j'ai rien fait du tout. Ok, ils sont sur elle derrière. Allez, tant pis. Tant pis. Week-end très tranquille, bah tant mieux. Oh la vache, la santé, mon dieu. Ah, cours! Au moins, la fenêtre est ouverte. Il faut que je retrouve du soin d'urgence. Putain, je fais vraiment du caca, hein. Oui, chauffage réparé, heureusement. Heureusement, ça devenait... ça devenait compliqué. Grand-père immobilisé, ok. Putain, par contre, il faut absolument que je trouve du soin. Oh, qu'est-ce qu'on fait en tente, là? Oui, je sais. Elle est morte. Dernière victime, génial! J'ai rien fait de la game. Il y a Johnny qui est en train de sentir mes... de chercher mes pas, je crois. Du soin là. Complicado. Je pense qu'ils vont squatter l'étage, hein. Ah bah non, visiblement non. Il y a qui comme tueur en face? Il y a un papy. Ah, il a vu que j'avais enlevé le cadenas, mais oui. Je vais essayer de jouer le générateur, je pense. Je pense que c'est la bonne technique. Ah, ça va être tendu, hein, voire impossible, mais on va essayer de jouer le générateur.
Faut que je me dépêche parce que là, du coup, quand on est le dernier survivant, on perd de la vie au fur et à mesure. Je vais vous quitter car j'ai la visite. Bisous à tous. Bah, bisous, Cathy. Des bisous, bon après-midi. Allez, Connie. Ah, quoi? Ça arrive. Générateur, est-ce qu'il est là? J'ai pas l'impression, par contre, il y a peut-être du soin. Ah, putain. C'est ultra chaud, oui. Oh. Et j'ai perdu trop de temps au début. J'étais complètement perdu dans la cave. Alors, est-ce qu'ils vont aller me chercher là-bas, du coup? Et que ça va me laisser la voie libre pour le générateur? Il n'y a pas d'autostoppeur, on est d'accord. Il n'y a pas d'autostoppeur. Donc il peut pas mettre de piège sur le générateur. Par contre, je perds pas de vie. Est-ce que c'est une mise à... Est-ce que ça a été mis à jour, ça? Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas joué avant. Normalement, je devrais perdre de la vie, en fait. Là, il me cherche dans les hautes herbes. Ah! Bon, on a au moins une gang qui ressemble à quelque chose. Vas-y, casse-toi, monsieur. Casse-toi! Tu vas pas faire toutes les hautes herbes. T'es pas sérieux quand même. Soin. On va prendre des couteaux. Je perds rien du tout, c'est bien l'impression que j'ai. Est-ce que c'est une paire que j'ai mis? Je me rappelle plus. Ok. Voilà. Ah, faut être fufu à mort. Ah putain. Mais... J'ai pas l'impression non plus, Zabou, hein. Je perds de la vie un petit peu. Je perds un petit peu de vie. J'ai eu tellement de chance, je suis ressorti une demi-seconde après, j'étais mort. Ah vas-y, go hein. Là-bas. Ah, ah. Je suis pas là. Putain, c'est horrible. Allez, papy, rentre chez toi. Allez, surveille le fond, il doit y en avoir un qui surveille l'étage. Et le papy qui fait un peu le va-et-vient. J'ai l'impression que Booba surveille le côté batterie. Le deuxième tueur, c'est qui? C'est Johnny, je sais plus. C'est Johnny, il doit surveiller l'étage pour le fusible. Et l'autre, il fait les va-et-vient. Allez. Allez, on y va. Cette fois-ci. Allez. Croisez les doigts. Si cette game, elle passe.
50%. Allez! C'est raté! Yes! Oh! Vite! Ils ont abandonné! Oh! Oh! Incroyable! Le début de game, j'étais complètement à la rue. Et j'ai fait de la merde, je suis resté une demi-heure dans la cave. Oh là là, merci beaucoup. Ah! Oh, oh. C'est nul comme mentalité, ouais, mais... Sans les jeux multijoueurs, malheureusement, je le répète, mais... Pas assez d'hurlements, c'est vrai. Après, j'ai regardé l'édition 4K, Nico, je t'avais dit que j'avais racheté, là. 50e anniversaire que j'ai acheté cet été, là, ou en septembre, je sais plus. Et vu qu'ils ont refait le son, c'est beaucoup plus acceptable. Je dis bien acceptable, je dis pas que c'est ok, c'est acceptable. Sans le son, c'est mieux, carrément. Je le vois, je crois qu'il est sur Amazon et Netflix. L'original, je crois pas. Peut-être un des remakes, oui, ou des suites. Mais l'original, je crois pas, Aurore. Je peux me tromper, hein. C'est près de moi, ça. Ah oui, c'est là. Au revoir. Il m'a vu. What the fuck? Non. Ok. Ah, je me suis dit... Putain, c'est qui encore? Salut Liland. Tu pouvais partir? Il y a une porte là. Ouais. On va essayer d'ouvrir cette porte. You get away from me. Fuck. Finally. I hope the others are okay. C'est dingue comme je suis en stress quand je vois ce jeu. Putain de merde. Mais non, mais fuck, va te faire foutre! Ah! Oh God, did they hear me? Soin. There's gotta be something I can use around here. Faut que je pense à utiliser mon pouvoir quand je me fais taper. On va sortir par là, tant pis. Il est sur Canal, je savais bien, j'avais vu quelque part, je savais plus où. Putain, il y a un piège là. Ah, il a mis un cadenas à l'autre. Est-ce que ça se voit que je suis stressé quand je joue à ce jeu ou pas? Putain, je pourrais pas ouvrir cette porte. J'ai qu'un seul crochet et bah il en faut deux.
Ils sont tous là. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a accroché en fait? Allez, ok. Vas-y, Connie. J'ouvre le premier. Va ouvrir le deuxième, Connie. Tu veux le faire? Vas-y. Nice. C'est exactement ce qu'il me fallait. Attends, on n'est pas mort encore. On n'est pas mort. Allez, Connie. Utilise ton pouvoir. Fuck! C'est ça pour ton stress? Ah! C'est vrai! Ils sont tous là par contre. Ça pue du cul. Est-ce qu'on sortirait pas par l'autre côté? Où est-ce que t'es, Connie? Ah, y a Connie qui est là, c'est elle qui a bloqué la porte. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on tente une autre sortie? Générateur éteint. C'est le moment. Merde, pas par là. Ok, elle a déjà désactivé. Parfait. Allez! Vite! Pourtant, il y a pression ouvert aussi. J'ai vu que c'était la batterie qui était ouverte aussi. Le générateur. Non, c'est la. J'ai cassé mon crochet! Ça va aller. Ah non! Tu peux pas utiliser ton pouvoir, madame! Putain! Vite! Oh, pauvre Connie! Désolé, Connie! Oh! Ah, le mec, en fait, il avait pas le choix. Il y avait les deux cibles devant lui. Il a dû en choisir une des deux. Elle... Oh, Connie est retombée dans la cave, bah ouais. Bon, au moins c'est ouvert pour... On va suivre Connie quand même, voir ce qu'elle fait. Les autres sont sortis, hein. Ah, elle, c'est la dernière. Tu pouvais rien faire pour elle? Non, je pouvais rien. Le tueur est arrivé, on était deux. Et bah, il a choisi un des deux. Moi, j'ai couru chercher un autre crochet. Il y en a un qui s'est évadé, et un qui est mort, l'élan des morts, et Anna a survécu. Julie, pardon. Allez, Connie.
Si le portail à pression est ouvert, était ouvert, tu peux le remettre en route, c'est peut-être jouable. Par contre, il y a un tueur qu'on n'a pas vu. Ah non, il joue tous les trois, ok. Ouais, c'est pour ça en fait que ce jeu, j'ai beau mourir 10 fois. C'est qu'en fait, il y a des. Même si c'est qu'une game sur 5, il y a des games, elles sont tellement jouissives comme celle-là et comme celle qu'on a fait tout à l'heure sur la. Sur l'habitation, sur la demeure familiale. Que c'est tellement cool en fait. Allez, vas-y, Connie, go! Tu peux pas mourir, Connie! Donc là, pour ceux qui savent pas, elle a ouvert le portail, elle a manipulé la valve pour ouvrir un portail à pression qui se trouve au-dessus, en milieu de map à peu près. Bien sûr, les tueurs peuvent revenir et redesserrer la valve pour refermer la porte à pression. Elle a eu chaud, hein, mais... Vous voyez la pression qui monte? Je crois que c'est quand ça arrive dans le jaune ou dans le vert que la porte s'ouvre, en fait. La jauge qui était au-dessus du volant. Là, sa technique, c'est... Elle a un couteau sur elle. Elle va attendre qu'un tueur aille enlever la pression sur la valve pour le stun. Et du coup, ça laissera le temps à la pression de monter. Je sais pas si je suis très clair. Et une fois que la pression est assez haute, la porte à l'étage s'ouvre. Là, c'est ce qu'elle va aller faire maintenant. Elle arrive pas à le faire. Si, ça y est. Portail à pression ouvert. Cours, madame. C'était exactement la technique qu'il fallait faire. Maintenant, tu dois run. Tu dois monter très vite. Ah, mais cours. Ah, c'est pas une mauvaise technique, en tout cas, de se cacher. Allez, cours. T'es un peu gourmande, madame, hein. La porte va se refermer, hein. Vas-y, go maintenant. Après, non, elle a raison en fait. Parce qu'ils vont tous l'attendre devant la porte. Si elle a pas de couteau, elle est dans la merde. Elle a une porte juste là. Bah là, pour vous. Là. Putain. Là. Oui, là. Ah, ici. Là. Là. Et c'est bon, t'es soignée, madame. Et t'as pas récupéré ton couteau? Bah oui, elle vient de se rendre compte là, je pense. Elle a hésité à faire un demi-tour et finalement non. La porte est là-bas en face. Mais elle va se refermer, hein, ça reste pas ouvert éternellement. Oh, le fusible. Non, là tu peux pas, madame. Oh là là, papillon au max. Elle est dans le caca. Hein. Ah, il y a un piège, bah oui. Aïe, aïe, aïe. RIP Connie. Elle avait la bonne technique, mais elle a perdu trop de temps. J'aurais certainement pas fait mieux, mais elle a perdu beaucoup de temps quand même, hein.